Et salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo The Elevrima Quality Assurance Developer Dev Test. Vous savez ce qu'on va faire dans cette vidéo. Vous demandez pourquoi j'aime Terra, vous demandez peut-être pourquoi j'ai cette tête. Simplement parce que je suis en cosplay. Je me suis simplement déguisé en mousquetaire, en d'Artagnan, hein, plus précisément, regardez. Pourquoi? Parce qu'on est avec Terra Assassin. Voilà. Qui se bat comme ça. Qui met des estocades. Comme d'Artagnan. Bref, bon, c'est pas grave, on va pas s'attarder sur ça, la folie d'un homme. Ouais, je vais vous montrer comment, du coup, prog son pachy tranquillement. J'ai pris le Terra, évidemment, parce que ça sera beaucoup plus simple de vous montrer avec. Et si on a de quoi se fighter, sur le coup, on va se fighter. On va clairement se fighter avec Terra Assassin, on va continuer à s'entraîner. Et en plus de ça, dernière chose, avant de vraiment commencer la vidéo, à ce qui paraît, les développeurs ont boosté les serveurs, et maintenant les serveurs sont de meilleure qualité, donc ils devraient logiquement... Je dis ça, il y a un lag. Il devrait logiquement y avoir moins de lag. En tout cas, regardez là, voilà. C'est ce qu'ils ont dit, hein, c'est pas moi qui le dis. Ils ont dit, faites tourner les serveurs à leur limite. On va essayer de faire ça, mais bon, j'y crois pas des masses. En tout cas, oui, j'ai besoin de ces bons serveurs pour développer mon skill avec Terra Assassin. Et pour fendre tel d'Artagnan et les mousquetaires. Oh, je paie un poisson. Voilà, vous m'avez compris, quoi. Pour fendre mes ennemis, quoi. Tel d'Artagnan. Ok, alors nous sommes sur zone. Alors pour commencer avec ces conseils pour prog un pachy assez facilement entre guillemets, il faut savoir que c'est pas facile. Voilà, c'est clairement pas facile, il y a beaucoup de chance, beaucoup d'aléatoires qui peuvent rentrer en compte. L'idée c'est de limiter tout ça et de réussir à avoir son pachy full adulte. Alors dans un premier temps, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut spawn ici, en center. Ensuite vous spawnez en center, vous arrivez la plupart du temps dans cette zone. Une fois que vous êtes ici, tout simplement, vous prenez votre petit pachy. Là, à pied. J'ai pris un terrain pour que ce soit plus rapide et plus simple, hein, tout simplement. Et vous allez dans cette direction, par là-bas. Voilà, par ici. Et par ici, il y aura des melons. Les saints melons à manger en tout premier lieu. Les saints melons, ils sont normalement derrière cette bosse là-bas. Voilà, il y en a. Il y en a un peu partout dans cet endroit-là, logiquement. Hein, logiquement. Il y a des melons ici. Est-ce que ça, c'est des melons? Ça, c'est des melons. Voilà, ça me donne raison, je suis très content. Voilà, ici, il y a des melons, vous voyez, c'est pas très loin du spawn. Le spawn, il est là-bas. Donc, une fois que vous avez fait ça... Donc, une fois que vous avez mangé vos melons, que vous êtes mis full. Vraiment, il faut vous mettre full, full, full nourriture avec les melons. Donc déjà que vous avez fait ça, vous êtes à peu près dans les hexagones à 300% de melons. Ça va vous permettre de tenir toute la prog avec les melons full. Voilà. Déjà, là, vous avez fait un bon point. Ensuite, quand vous avez fait ça, vous repartez donc dans cette direction. Et vous longez la rivière, hein. Vous essayez de plus rapidement possible foncer vers la rivière. Donc vous allez par là, moi il va falloir que je fasse un peu attention à esquiver tout ça là. Putain, ça c'est rien. Voilà, donc vous longez cette rivière et vous repartez en south, en sud. Ce qui savent pas, c'est ici en haut, la pointe vers le bas, c'est le sud. Donc voilà, vous arrivez ici. Quand vous avez traversé tout ça, vous arrivez ici. Et là vous pouvez boire de l'eau de façon assez safe. Donc une fois que vous arrivez ici en sous, vous repartez avec votre pachy, avec votre bébé pachy, hein. Tout ça c'est très long à faire en pachy, c'est bien pour ça que j'ai pris le terrain. Là c'est l'endroit un petit peu, le moment un petit peu dangereux. Voilà, moment un petit peu dangereux. Là il faut traverser la rivière. Donc pour traverser la rivière, bah, y a d'autres choix que ici, hein, nager, traverser la rivière. Et une fois que vous traversez la rivière, vous êtes presque libéré, et vous êtes presque à l'abri de tout danger. Donc vous arrivez de ce côté, et là vous allez tout droit. Tout droit, toujours tout droit. Toujours tout droit, dans cette direction, c'est en ouest. Et une fois que vous arrivez là, vous êtes assez tranquille, mais il ne faut pas s'arrêter. Là, vous voyez, il y a un truc là. Là, il y a quoi là? C'est quoi ça? C'est un petit carnon, je vais le fumer. T'es mort, t'es mort, t'es mort. T'es mort, mon pote. C'est un joueur, c'est un... Ah, je crois que c'est un joueur. Hein. Pof. Terra Assassin. Incroyable, Terra Assassin. Oh, il y a un port. Oh, les ports, par contre, sont vraiment super dangereux. Vas-y, rends pas fou le port. Je pense que c'était un joueur en vrai, hein, vu comme il a couru, il était AFK et puis après c'est mieux quoi. Bon bref,
Et là, vous voyez qu'il y a déjà des agaves par ici. Mais c'est pas du tout ici qu'il faut se mettre. Hein. Vraiment, c'est le périple d'une vie, là, d'un pachy. Hein. C'est vraiment le périple d'une vie. Donc, vous continuez, vous tracez. Et voilà. Et là, vous arrivez à peu près dans cette plaine. Et vous voyez que dans cette plaine, bah, y a ici des agaves. Agaves là-bas aussi. Voilà. Oh, y a un Tenanto. Bon, on va pas le fighter, celui-là. Ça va prendre 3 heures. Mais pourquoi pas, en vrai, ça peut être intéressant. Du coup, voilà. Ici, il y a des agaves et il y a aussi des cocos. Genre, ça, c'est des arbres à cocos, tout ça, là. Hein, je les vois pas, mais je sais que parmi certains palmiers qu'on voit, ben, y en a, c'est des arbres qui donnent des cocos. Genre, celui-là, là. Voilà, celui-là, vous voyez, des cocos. Coco ici, coco là, coco un peu partout. Hein. Et pour terminer, vous continuez d'aller en ouest, à fond, à fond, à fond. Et ça sera là-bas qu'il y aura le petit point d'eau pour survivre, parce que sinon, bah, vous mourrez. Hein. Et là-bas, sous cette arche, il y a un petit point d'eau. Et ce petit point d'eau, bah, c'est le point d'eau de votre vie, ou peut-être de votre mort, parce que bah, c'est à cet endroit-là que vous pourrez croiser du monde, logiquement, s'il y a du monde par ici. Logiquement, je vous le dis, il n'y a vraiment pas grand monde. Et puis vous pouvez voir arriver les gens, si les gens arrivent. Quand vous avez bu votre eau, vous pouvez vous réfugier dans un endroit qui est très safe. C'est là-dedans, là, dans ces bushs qui sont là. Voilà, dans les bushs qui sont là, paf, vous mettez là. Et tout simplement, vous pouvez vous cacher en attendant d'avoir faim ou soif. Quand vous avez soif, vous allez boire de l'eau. Quand vous avez faim, vous repartez par là. Oh les... Vous allez par là, ça sera beaucoup plus simple pour vous que pour moi, parce que moi avec mon odorat je sens pas les cocos, je sens pas les agaves, donc la direction je la connais pas trop, mais en gros c'est par là-bas, vous allez par là-bas, par là-bas, par là-bas, toujours vers là-bas, et à partir d'ici vous allez commencer à sentir les agaves, les noix de coco. Après c'est quand même un peu loin, c'est à genre 3-4 minutes à peu près, donc il faut quand même prévoir de pas crever de faim pour aller chercher les agaves, les noix de coco, mais en gros c'est par ici, il y a tout. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit, je vous ai tout expliqué, je vous ai tout montré. Maintenant, j'aimerais bien fighter. Voilà, pour terminer, parce que moi, je suis comme ça. La bagarre. La bagarre, la bagarre. Bon, c'est compliqué, je vous le dis. Hein. C'est très compliqué. Un Tenanto, c'est pas la proie du Ptera, j'ai envie de dire. Mais bon, on va quand même essayer de le faire. Viens là, toi. Tiens, dans ta gueule. Vas-y, viens là. Ouais, moi, je fais des demi-tours rapides et tout. Hein. C'est pour ça que je vous dis, ça serait bien de... Genre que le jeu soit vraiment clean, niveau lag, serveur et tout, parce que... Il y a vraiment des trucs à train dans ce jeu. Après, là, le Tenant... Wow, calme-toi. Le Tenanto, je vous dis, c'est vraiment long, vraiment dur. La moindre erreur est mortelle. Et c'est surtout très long. Hein. Non, en vrai, s'il commence à aller dans la montagne, ça va être l'enfer, là. Ça va être l'enfer. Viens me chercher là. S'il te plaît, fais pas le con. Fais pas le con, Henri. Voilà, viens. Oh, tu sais, tu t'énerves. Et jamais tu crèves, en fait. C'est incroyable, ça, oh. Eh ouais, il essaie de me bait. Pas chier. Meurs. Mais meurs, bordel, meurs. Mais il est tellement mal en plus. En vrai, j'aimerais bien que le Ptera mette du saignement. Ce serait intéressant, quoi. Allez. Ah, il veut pas mourir, hein. C'est abusé, hein. Allez, encore 3 coups. 1, 2, et 3. Allez, merde, j'y croyais. Il tente de canner, hein. Je vous dis, c'est un super entraînement. Parce que c'est quand même très dangereux. Et si après vous voulez tuer des joueurs, bah, faut déjà s'entraîner sur un truc comme ça. Vous voyez, faire des petits demi-tours. Non, fais pas le con. Non. Ne pas faire une seule erreur, c'est très très compliqué. Bref, j'y arriverai un jour. En tout cas, c'était pas le but de la vidéo. Donc, bon, on finit mort. Encore une fois, et j'espère aussi, parce que le but de la vidéo c'était quand même le pachy, j'espère aussi que ça va vous aider. Voilà, des petites... Ah, vas-y. Il se fout de ma gueule en plus. Voilà, ces petites astuces, petites infos à savoir. Vous pouvez faire comme ça, moi j'ai réussi comme ça. Il n'empêche que ça reste très compliqué à prog un pachy full adulte. Je vous le dis, ça sera pas gratos. Comme ça, vous pouvez le prog en 1h40 à peu près. Donc bonne chance à tous pour le pachy. Et moi, tout ce qui me reste à vous dire, c'est... Et pour tous, c'est tous pour un.